mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Partie remise, un film radiophonique de Louis C. Thomas. Bien. Encore un peu de café, cher ami ? Non, merci. Un cigare, alors ? Oh, non, j'ai déjà bien trop fumé, bien trop bu. D'ailleurs, il est plus de minuit, il est temps que je me sauve. Bon, alors, voyons, rien ne vous presse. Ah, et puis, vous n'avez pas goûté mon cognac ? Non. Il vient tout droit de chez le propriétaire. Vous aviez promis de me donner votre avis. Ce sera pour une autre fois. Allez. Juste un petit verre. Hein ? Pour me faire plaisir. Ah. Le coup de l'étrier, alors. Voilà. Vous allez... Tenez. Merci. Humez-moi ça. Et donc, à quel bouquet ? Ça, je dois reconnaître. Je suis heureux que vous appréciez. Vous allez en emporter une bouteille. Oh non, il n'y a pas de raison. Mais si, j'y tiens. Ma femme va vous en monter une. Non, Annette. Écoutez. Annette ! Non, ne la dérangez pas. Non, je vous en prie. Annette ! Mais... Je sais pas. Où est-ce qu'elle est encore passée ? Elle est peut-être allée se reposer, elle avait l'air un peu fatiguée. Elle ? Pensez-vous ? Avec sa télé et ses bouquins, elle veille couramment jusqu'à 1h du matin. Nous avons parlé à faire toute la soirée. La pauvre a dû s'ennuyer ferme. Mais détrompez-vous ! Elle a été ravie quand elle a su que vous veniez dîner. Avouez que parler machine-outil, ça n'a rien de folichon pour une femme. Ah, pas pour Annette. Et surtout pas quand c'est vous qui en parlez. Vous êtes son grand homme. Vous exagérez. Absolument pas. Vous avez fait sur elle une grosse impression. Ce sont des monsieur Talmont par-ci, monsieur Talmont par-là. Il y a longtemps que nous n'avons plus vu monsieur Talmont. C'est... Ça, en confidence... C'est elle qui a insisté pour que je vous invite à dîner aujourd'hui. Tu m'as appelé ? Ah oui, t'es-tu ? Je cherchais le bouquin dont j'ai parlé à monsieur Talmont. Ah oui. Les pages que je vous ai citées sont marquées par des signets. Je le lirai avec grand plaisir. Si vous le permettez, je le garderai quelques jours. Mais bien sûr, tant que vous voudrez. Eh bien, il ne me reste plus qu'à prendre congé. Non, pas avant d'avoir la bouteille. Annette, tu veux aller chercher une bouteille de cognac ? Non. Le même que celui-ci. Je vous en prie, madame, ne vous donnez pas cette peine. Non, ce sera vite fait. J'en reviens tout de suite. Je suis désolé de lui causer tout ce dérangement. Mais elle est enchantée, au contraire. Ce livre qu'elle vous prête et dont elle a marqué les pages... Elle y a pensé toute la semaine. Mon cher Carouge, vous avez une femme charmante. Je ne vous le fais pas dire. Charmante et cultivée, ce qui ne gâte rien. Et voilà. Elle est cultivée, vous êtes cultivé, et moi je suis un rustre. Mais si, qu'est-ce que vous voulez, je me suis fait moi-même. Tout ce que je sais, moi, c'est... Je l'ai appris dans la rue. Ça n'est déjà pas si mal. Non. Il me manquera toujours quelque chose. Savez-vous ce que ma femme admire le plus en vous, c'est que vous meniez de front vos activités professionnelles et... Enfin, toutes ces autres choses qui... Elle aimerait en sortir, aller au spectacle. Mais nous pourrions y aller ensemble un soir, tous les trois. Moi au théâtre, je m'y endors, ça. Mais si vous y emmeniez Annette, ça... Ah, vraiment, ce serait la fête pour elle. La fête ? De quelle fête s'agit-il ? Devine ce que notre ami vient de proposer. Il t'invite à aller au théâtre un de ces soirs. Je vous remercie, monsieur, mais... Mais quoi, t'es contente, non ? Oui, mais je suis un peu prise de court. Mais rien ne presse, madame. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Je l'espère bien. Eh bien, Annette, t'as le cognac ? Oui, il est dans le vestibule. Ah, le livre et la bouteille. Le régal de l'esprit et du corps, je suis comblé. Je crois que cette fois, je n'ai plus qu'à me retirer. Bien. Et dites-moi, cher ami, pour notre petite affaire, je bouge plus, je compte sur vous. Vous avez ma parole. Il n'y a plus que Thiriot à convaincre. Aïe, Thiriot est un dur à cuire, je le connais. Têtu avec ça. Nous serons deux. Ne vous tracassez pas, j'ai bon espoir. Ah, mais que je n'oublie pas ma bouteille. Ah, fichtre, non. J'ai passé une excellente soirée. Et votre repas, madame.
était délicieux. Alors nous recommencerons. Ce n'est pas moi qui vous contredirai. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Et merci encore. Au revoir, mon cher Carouge. Je vous accompagne jusqu'au portail. Non, 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 je vous en prie. Tirez la grille derrière moi. Dès que j'ai quelque chose de positif, je vous fais signe. À bientôt. Au revoir. Eh ben, bravo, félicitations. T'as été aussi aimable qu'une porte de prison. Tu l'as été pour deux. Ah, voilà un homme qui vaut des millions. Est-ce que tu réalises bien ce qu'il représente? Un mot de lui, une signature, et craque, il n'y a plus qu'à ouvrir ses poches. T'aurais pu faire un effort. Je lui ai fait de la bonne cuisine. Il l'a reconnu. Les jolies femmes, ça a d'autres atouts que la bonne cuisine. Un sourire, un mot gentil. Oh, je connais la chanson, hein. Tu me l'avais déjà fait chanter. T'as pas ouvert la bouche 10 fois au cours du repas. On aurait dit que tu le faisais exprès. Peut-être. Enfin quoi, un homme qui tient notre fortune entre ses mains. Mais oui, mais oui. Grâce à lui, je peux obtenir le marché le plus sensationnel de toute ma carrière. Si ça marche, il me suffira de 2 coups de fil pour gagner des millions. Un en Allemagne pour passer la commande, et l'autre à Talmont. Et pour que ça marche, il faut que j'ai Talmont dans mon jeu. Et que j'ai Talmont dans mon jeu, ça dépend autant de toi que de moi. Si tu veux que je couche avec lui, dis-le tout de suite. Alors, dis pas de bêtises. Il s'agit seulement de ne pas le décourager. Il a un faible pour toi, profitons-en. L'année dernière, il ne fallait pas décourager Kanjuers, cette espèce de grossier personnage qui m'a poursuivi de ses assiduités pendant 4 mois. Il y a 2 ans, c'était Coulon. Oh, tu vas pas comparer avec Talmont. Talmont est bien élevé, intéressant. Non, c'est ça, fais-moi l'article. Bon, avec toi, on peut pas discuter. Oh, écoute, je t'ai entendu après le dîner, hein. J'étais dans la pièce à côté. Vous êtes son grand homme. Savez-vous ce qu'elle admire le plus en vous? C'est elle qui a insisté pour que je vous invite à dîner. Menteur. Fallait bien que je compense. J'en avais honte pour toi. La honte, Annette, je m'assois dessus. L'essentiel, c'est de décrocher l'affaire. Et l'invitation pour le théâtre. Ça, c'était le bouquet. Ben oui, quoi. À longueur de semaine, tu me rebats les oreilles avec tes jérémiades. On sort jamais, on va jamais au spectacle. On l'a entendu, celle-là. Et quand Talmont te le propose... Ah bah, tu lui as un peu forcé la main, hein. Qu'est-ce que ça change, il l'a proposé. Et madame fait la fine bouche. Mais pense, qu'est-ce que ça peut te faire de sortir une soirée avec lui? Ça me fait que j'en ai assez de tremper dans tes combines. Assez d'être humilié par un mari complaisant. Oh, d'ailleurs, inutile de revenir là-dessus. Avant-hier, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. C'était pas sérieux. Ah bah, si tu ne l'as pas pris au sérieux, tu as eu tort. Il faut que les choses soient bien claires entre nous, Roger. Je reste avec toi à cause de Patrick. Je te le répète, uniquement à cause de Patrick. En somme, je devrais remercier ton fils. Ah ben, c'est aussi le tien. À savoir. À savoir quoi? Un homme n'est jamais certain de sa paternité. Mais... Ouais. Voilà une gifle de trop. Tu es un sale type, Roger. Tu ne sais plus quoi inventer pour m'humilier. Un jour que tu m'auras poussé à bout... Je m'en irai. Sans Patrick, alors. Parce que je te le répète, moi aussi, s'il te prenait la fantaisie d'abandonner le domicile conjugal en emmenant Patrick, la réplique se ferait pas attendre. Je le ferai ramener ici. J'en aurai le droit. Légalement, au moins, je suis son père. Oui. Pour le moment, tu es le plus fort. Oui. Mais la roue tourne, Roger. Un jour, tu te retrouveras en prison. Et je réclamerai le divorce. L'espoir fait vivre. À propos de Patrick, j'allais oublier. Il n'est plus à Saint-Eustache. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est malade? Il se porte à merveille. J'ai décidé de le changer de pension, voilà tout. Mais depuis quand? Depuis hier après-midi. Mais pourquoi? Saint-Eustache ne me convenait plus. Je l'ai mis en pension ailleurs. Et où est-ce que tu l'as mis? Où ça? Eh bien, je te le dirai... Si tu es raisonnable... Tu ne vas quand même pas m'empêcher de le voir. J'ai le droit de le voir. Je suis sa mère. Roger, Roger, c'est ton enfant. Il est encore si petit, si fragile. Même pas 8 ans. Il a besoin de moi. Si je n'y vais pas samedi, il sera malheureux. Il n'est pas responsable. Tu me promets d'être raisonnable? Oui.
Tu seras plus aimable avec Talmont, plus gentil. Oui. Tu iras au théâtre avec lui. Oh, tu me dégoûtes, Roger. Mmh. Oui. Oui, j'irai au théâtre avec Talmont. Marc, mon chéri, il faut trouver une solution. Cette vie n'est plus possible. Que s'est-il encore passé ? Cette nuit, après ton départ, il a dépassé les bornes. Il m'a fait une scène terrible à ton sujet. Il se doute de quelque chose ? Lui ? Oh, au contraire. Il trouve que je ne suis pas assez gentille avec toi. Moi-même, par moments, je me suis demandé si son attitude ne ressemblait pas à de la provocation. Oh non, rassure-toi, il n'a pas le moindre soupçon. Sinon, il ne m'aurait pas parlé comme il m'a parlé. Et après tout, si pour le calmer, tu n'avais qu'à te montrer plus aimable avec moi... Non, non, je ne veux plus de cette espèce de compromission. J'ai honte, comprends-tu ? Quand il te vante mes mérites, j'ai l'impression qu'il me salit. Je voudrais rester propre pour toi, mon chéri, rien que pour toi. Parce que je t'aime, tu comprends ? Bien sûr que je comprends. Je donnerais n'importe quoi pour que tu sois heureuse. Si seulement tu pouvais le quitter. C'est la seule chose que je ne puisse pas faire, à cause de Patrick. Se servir d'un enfant pour... Quel salaud ! C'est exactement ce que je lui ai dit. Il m'a répondu que la honte, il s'asseyait dessus, que l'essentiel était de décrocher l'affaire. Pour son affaire, il y a longtemps que je l'aurais envoyé sur les roses si tu n'étais pas là. Mais il faut l'envoyer sur les roses, comme tu dis. Mais c'est pour toi que je... Mais non, justement, c'est ce que je ne veux pas. De toute façon, que l'affaire réussisse ou non, ça ne changera rien pour moi. Dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2, il en préparera une autre. Il y aura un nouveau colon ou un nouveau Talmont à charmer. Oh non. Non, tu ne charmeras plus personne. Mais je ne pourrais pas refuser, Marc. Comme je n'ai pas pu refuser pour les précédents. Je ne le supporterai pas. Je ne supporterai pas que tu t'abaisses à un rôle aussi dégradant. Il doit y avoir un moyen. Il faut consulter un avocat. Si tu crois que je t'ai attendu, j'en ai déjà vu plusieurs. Tous leurs avis concordent. Si c'est moi qui m'en vais, j'abandonne le domicile conjugal, je me mets dans mon tort. Et mon mari conserve alors tous ses droits sur Patrick. Tu ne vas tout de même pas rester prisonnière de cet homme parce qu'il t'a fait un enfant. Mais c'est aussi mon enfant, Marc. Oui, excuse-moi. Excuse-moi, je dis n'importe quoi. Tu es certaine qu'il ne te rendrait pas ta liberté, même si je lui parlais? Mais qu'est-ce que tu lui dirais, mon pauvre ami? Que tu m'aimes? Que tu veux faire ta vie avec moi? Que je suis ta maîtresse? Imagine sa réaction. Alors tant pis. Il n'y a plus qu'une solution. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis vanné. Je finis ma cigarette et je vais au lit. Bois ton café, il va être froid. Il y a quelque chose qui me terrabuste. T'as mis du sucre ? Oui, 2 morceaux. Oui, t'as raison, il est à peine tiède. Oui, ce qui me terrabuste, c'est le comportement de Talmont. Tu trouves pas qu'il se fait tirer l'oreille ? Tirer l'oreille pourquoi ? Il y a 3 semaines, il était affirmatif, il n'y avait plus qu'à convaincre Thiriot, il s'en chargeait. Bref, il n'y avait pas de problème. Depuis quelques jours, je le sens plein de réticence. Thiriot est peut-être plus difficile à convaincre qu'il ne se l'était imaginé. Ouais. En tout cas, mardi, il était encore plein d'optimisme. Parce que tu étais là. D'ailleurs, tu as été parfaite. Je tiens mes promesses. Tu vois, ce qui prouve que lorsque tu le veux bien... Oui, à toi, il n'a rien dit de particulier? Vous avez quand même eu l'occasion de bavarder, tous les deux. Avec moi, il met son point d'honneur à ne pas parler d'affaires. De mon côté, il serait malvenu de lui poser des questions. Non, pas directement. Enfin, sans en avoir l'air, tu pourrais insinuer que... On a sonné.
Oui, j'ai entendu. À cette heure-ci, on n'attend personne. Qui ça peut bien être, alors? Bon, des plaisantins qui s'amusent à sonner au portail. Tu l'as fermé? Oui, à double tour avant dîner. Dis donc, si j'étais tellement, je te disais... Laisse-les sonner, ils se fatigueront avant nous. Il s'agit peut-être d'un télégramme. Un télégramme de qui? Tu vois bien, on insiste. Bon, j'y vais. Les clés de la grille sont sur le cache-radiateur. Oui, si ce sont des plaisantins, j'ai pas l'intention d'aller jusque là-bas. Qu'est-ce que c'est? Annette! Hein? Annette! Qu'est-ce qu'il y a? Ferme la porte, vite! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est un type, il a tiré sur moi. Tu es blessé? Non, je sais pas. Je vais appeler le docteur Amsel. Non, ne me laisse pas! Tu as mal? Je me sens pas bien. Ça tourne. Appuie-toi sur moi. Là, viens jusqu'au fauteuil. Oui. Là, assieds-toi. Oui. Tu as mal où? Je crois bien que j'ai rien. Il m'a loupé. Oh, le salaud. Il aurait de quoi faire une jaunisse. Oui, mais l'essentiel, c'est que tu n'es rien. Tiens, bois. Après une peur, il faut toujours boire. Merci. Allez, ça va mieux, ça va même très bien. C'est pas encore aujourd'hui que tu auras le bonheur d'être veuve. Si tu as encore la force de plaisanter... Je plaisante faute de mieux. Oh, le salaud. C'est un vrai miracle, là, qu'il m'ait loupé. Il m'a visé à moins de 3 mètres. Qui est-ce? Si tu te figures qui s'est présenté, j'ai entrevu une ombre derrière le pilier de la terrasse, pas plus. Mais encore une goutte, s'il te plaît, Annette. Oui. Je te jure, je m'attendais pas à trouver quelqu'un si près. Tu m'as dit que tu avais fermé la grille. Ah, une clôture, ça saute. À partir de 8 heures, il n'y a plus un chat dans le quartier. Et tu soupçonnes quelqu'un? Qui veux-tu que je soupçonne? Tout le monde et personne. C'est peut-être un fou. Oui, fou ou pas fou, il a bien failli me descendre. Chut. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tais-toi. On marche. Là, devant la fenêtre. Je n'entends rien. Ah, si. Le gravier sous les pas. Qu'est-ce qui te prend de rire? Je te regarde. Mais t'es pas beau quand tu as peur. Ben, j'ai peur, oui, j'ai peur. Et après? Si tu te voyais. Si tes confrères te voyaient. Si Talmont te voyait en ce moment. Tu leur ferais pitié. Alors, je t'en prie, hein. Je préfère être un vivant qui fait pitié qu'un mort qu'on admire. Qu'est-ce que c'est encore? Non, ne bouge pas, je décroche. Allô? Oui, qui est à l'appareil? Il n'y a personne. Donne. Allô? Qui est là? Allô? Qu'est-ce que vous voulez? Et répondez, bon Dieu! Tu crèveras. Mais je l'ai entendu comme je vous entends, monsieur le commissaire. Et la voix? À peine chuchotée, méconnaissable. J'ai aussitôt appelé police secours. Ils l'ont fait très vite. Moins de 10 minutes après, ils étaient là. Et naturellement, il n'y avait plus personne. Par précaution, ils nous ont laissé un agent jusqu'à ce matin. Inutile de vous dire que nous n'avons pas beaucoup dormi, monsieur le commissaire. Nous étions bouleversés. Non, on le serait à moins. J'ai lu le rapport de l'officier de police qui est venu cette nuit. Il reste un ou deux points à préciser, et c'est le motif de ma visite. Mais à votre disposition, monsieur le commissaire. Malheureusement, pas plus sur l'agression que sur le coup de fil, je ne suis en mesure d'en dire plus que ce que j'ai déjà dit. Vous avez quand même fait la différence entre un homme et une femme. Et c'est un homme qui a tiré sur mon mari. Non, je parle de la voix, madame, de la voix du téléphone. Ben, je ne me suis pas posé la question. À la réflexion, oui, c'était bien un homme. Et selon vous, ce serait le même qui... Ah ben, qui voulez-vous que ce soit?
Oui, oui, bien sûr. Mais ne trouvez-vous pas curieux qu'après avoir tiré sur vous, et sans savoir qu'il vous avait manqué, votre agresseur vous ait ensuite téléphoné pour vous menacer? D'habitude, les menaces, c'est avant qu'on les fait. Bah, je pense qu'il a téléphoné pour connaître le résultat. C'est ma femme qui a décroché. Tant que j'ai été au bout du fil, il n'a pas articulé un son. Alors, j'ai pris l'appareil, et c'est là que... Enfin, il s'est rendu compte qu'il avait raté son coup, et il a dit, ce n'est que partir mise, Roger Carrouge. Ça aussi, monsieur le commissaire, je l'ai entendu comme je vous entends. Et avant de tirer sur vous? Ah, pas un mot, rien. Ah, mais rien. Enfin, tout s'est déroulé si vite, j'ai à peine entrevu une silhouette, et puis pan-pan les deux coups de feu. Ça, je vous jure que ça fait un drôle d'effet. Sur le moment même, j'ai pas su si j'étais touché ou non. Ah, si vous aviez été touché, vous n'auriez pas eu le temps de vous le demander. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Les deux douilles qu'on a ramassées sur la terrasse. Calibre 7,65. On devrait retrouver les balles dans le mur, d'ailleurs. Pouvez-vous me montrer comment vous avez ouvert? Mais très volontiers, monsieur le commissaire. Voilà, j'ai traversé le vestibule. J'ai ouvert la porte. Je me suis avancé sur le seuil. Je croyais qu'on sonnait à la grille. Ah, ne bougez plus. Tenez, en voilà une. Juste derrière vous, fichée dans le panneau. Et quant à l'autre... Mais ici, dans la cloison, ce trou, est-ce que ce n'est pas... Ah, en effet, madame. En effet, la deuxième est bien là. Bon, ben, j'enverrai quelqu'un les récupérer. Vous pouvez refermer. Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Merci. Pour conclure, on peut résumer la situation en une phrase. Quelqu'un tire sur vous avec la ferme intention de vous tuer, vous manque et vous menace de recommencer. Quelqu'un, oui, mais hey, qui? Ça, vous êtes le mieux placé pour connaître les gens qui vous en veulent. Je suis dans les affaires, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il y a toujours des vainqueurs et des vaincus, et les vaincus ont parfois la rancune tenace. L'année dernière, par exemple, je me suis fait quantité d'ennemis. J'étais en concurrence avec trois sociétés. Ouais. Et actuellement? Pas actuellement, non. Non, non. Je traite une affaire à l'amiable. Ah non, il faut certainement remonter beaucoup plus haut. Donc, pas la moindre piste, pas la plus petite présomption. Il s'agit peut-être d'un fou. Oui, d'un fou qui aurait quand même choisi votre mari, madame. Tout dément qu'il soit, si dément il y a, il n'est pas entré dans votre jardin au hasard. Son coup de fil le démontre. Enfin, fou ou pas fou, il a bel et bien tiré sur moi. Ah, à ce propos, n'est-il pas surprenant que personne n'ait réagi aux détonations? Oh, vous avez vu le quartier, les villas sont relativement isolées par les jardins. Alors, hein, quand les gens sont vissés devant leur télé, ils n'entendent plus rien, oui. Plus rien ne les émeut. Oui, oui, oui. Dites-moi, j'ai bien été reçu par une bonne tout à l'heure? Oui, mais nous ne la logeons pas. Elle rentre chez elle à 6 heures. Ah. Avec le peu d'éléments que nous possédons, je ne vous cache pas qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Ah, il va sans dire, monsieur le commissaire, que je porte plainte. Oui, plainte contre X, oui. Ah, j'ai quand même droit à la protection de la police. Dans la mesure de nos moyens. Malheureusement pour vous, notre rôle ne consiste pas à fournir des gardes du corps. Vous comprenez? Mais alors? Alors, fermez bien vos portes et vos fenêtres, et ne répondez à personne, la nuit surtout. Voilà. Je vais regagner mon bureau. Ne touchez à rien. Je vais vous envoyer un technicien pour récupérer les deux balles. Voilà, au revoir, madame. Au revoir, monsieur le commissaire. Vous qui avez un grand jardin, prenez donc un chien de garde. Dans votre cas, ce sera encore la protection la plus efficace. Je vais y penser. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur Carreau. Il aura un chien de garde, c'est une idée? Oui. Quoi, oui, quoi, t'as quelque chose contre? Moi? Non, je pensais au dîner de ce soir. Ah, bon sang, j'oubliais que Talmont était invité. On le décommande? Ah, jamais de la vie! Mais les circonstances, pourtant... Ben, les circonstances, il doit les ignorer. Pas un mot de cette histoire, hein? On le reçoit comme si de rien n'était. Oui, mais dans ce cas, j'ai encore des tas de courses à faire. Je vais me préparer. C'est ça, oui. Voilà. Allô? Allô? Allô, l'agence Détecta. Bon. Voilà, monsieur, j'aurais besoin des services d'un de vos détectives. Pour une enquête, oui. Je voudrais prendre rendez-vous. Quand puis-je passer vous voir? Cet après-midi, oui. Oui, vers 3 heures, c'est entendu. Mon nom est Carrouge. Roger Carrouge. Thank you.
traite allemand qui nous annonce qu'il est en retard. Ça m'étonnerait de lui. Allô? Allô? Qui êtes-vous? Allô? Répondez, espèce de lâche, j'ai averti la police. Vous répondez, oui? Il a raccroché. C'était la voix? Ben oui. Toujours pareil, partir mise, tu crèveras. Tant qu'il ne s'en tient qu'aux menaces. Mais je suis payé pour savoir qu'il est capable de les mettre à exécution. Tu es toujours décidé à ne rien dire à Talmont. Ah, plus que jamais. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tant de mystère. Ben d'abord, ça ne servirait à rien. Ensuite, en affaire, les tentatives d'assassinat, ça ne s'est jamais très bien porté. Ça n'est pas déshonorant. C'est une question d'atmosphère. Et puis tu le vois, Talmont venir ici comme avant en se demandant chaque fois s'il ne va pas avoir droit à une fusillade. Ah, le voilà. Eh bien, tu ne vas pas le recevoir? Qui prouve que c'est lui? Puisqu'on l'attend. On l'attend, on l'attend. L'autre aussi, on l'attend. Il vient de téléphoner, il ne peut pas être à la fois au téléphone et ici. Mais le commissaire a raison, s'il y avait un chien de garde en liberté dans le jardin, on aurait une garantie. Ben, tu y vas? Si tu y allais, toi. Oh, ben merci bien. Ah quoi, tu risques pas grand-chose. Qu'en sais-tu? Si c'est un fou, il peut tirer sur la première personne qui ouvrira la porte. Et l'obscurité aidant... Ben, il peut s'agir que de Talmont. Mais alors vas-y, toi. Tu as peur, hein? Tu trembles comme une feuille. Non. Il va pourtant falloir que tu ailles ouvrir, sinon Talmont va repartir en pensant que tu lui as posé un lapin. Quel effet ça ferait? Tiens, il s'impatiente. Oui, écoute, j'irai bien, mais... Faut que j'aille encore me rincer les mains. Ah, il n'y a aucun danger pour toi. J'en suis persuadé. Oui, tu es surtout persuadé que si on tire sur quelqu'un, il vaut mieux que ce soit sur moi que sur toi. Oh non, voyons, allons, je te jure que... Ah, pauvre type, va. Ah. Ah, bonsoir, monsieur Talmont. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma chérie. Où est-il? Depuis ton coup de fil, il tremble de peur. Comment as-tu fait pour venir si vite? Il y a un taxi folle au bout de l'avenue. Il n'a même pas arrêté mon moteur. Il a vraiment la frousse? À tel point qu'il n'osait pas venir t'ouvrir. Et c'est pour ça qu'il t'a envoyé? Parce qu'il y a du danger? Joli coco. Il n'y en a plus pour longtemps. Oh, finissons-en vite, Marc. Cette comédie me répugne. Il faut tenir le coup. Pour toi, pour moi, pour ton fils. Ah, attention, voilà. Maintenant qu'il n'y a plus de risque, évidemment. Oh, bonsoir, cher ami, bonsoir. Vous m'excuserez, j'étais au téléphone. Mais je ne m'en plains pas, madame Carouge est une hôtesse fort agréable. J'étais en train de lui annoncer la bonne nouvelle. Ah oui? Thiriot est enfin d'accord. Non. Vous signez la semaine prochaine. Fabrique encore avec ce revolver. Bah, tu le vois bien, je le nettoie. Mais tu l'as déjà nettoyé hier, c'est une manie. Bah, manie ou pas, je ne tiens pas ce qui s'en aurait lorsque j'en aurais besoin. Bah, le commissaire pense que tu n'en auras jamais besoin. Bah, parbleu, tiens, il en parle à son aise. Tu entends? Bah oui, c'est Sultan. Est-ce qu'il a aboyé comme ça? Si tu as acheté un chien, c'est bien pour qu'il aboie. Tant qu'il y a quelqu'un. Tant que tu le laisseras rôder toutes les nuits dans le jardin, il aboiera à chaque passant. Le commissaire dit que ça doit suffire pour décourager ton agresseur. Mais pas au téléphone, en tout cas. S'il avait annoncé, il me harcèlerait pas de coup de fil. Le commissaire dit qu'on n'a jamais tué personne par téléphone. Ah oui, lui, évidemment. Si je meurs, ça n'empêchera pas de toucher sa paix à la fin du mois. Le commissaire dit que... Mais fiche-moi la paix avec ton commissaire. On n'entend plus Sultan, hein. Bah, et alors? Tu trouves pas ça curieux? Mais il faudrait quand même savoir ce que tu veux. Quand il aboie, tu es inquiet. Quand il se tait, tu trouves ça curieux. Enfin, cette pauvre bête ne peut pas se taire et aboyer en même temps. Oh, moque-toi de moi, mais le jour où... C'est lui. J'entends, j'en suis sûr, c'est lui, je le sens. Eh bien, décroche. Non. Prends l'écouteur. Allô? Allô? Cette nuit? Ouais, ben si vous venez cette nuit, je vous descends, hein, je suis armé. Je vous descends comme un lapin. J'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Allô? Allô? T'as entendu? On n'a jamais vu un assassin prévenir sa victime. Et si c'est un fou? Bah, tout est verrouillé, porte et fenêtre. Et puis, il y a Sultan. Je vais quand même appeler le commissaire. À cette heure-ci?
Il m'a dit qu'il se tenait à ma disposition à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et j'ai son numéro personnel. Il va te répondre la même chose que moi. Alors, on verra bien. Va donc jeter un coup d'œil par la fenêtre du premier pendant ce temps. Enfin, si ça peut te rassurer. Allô. Allô, monsieur le commissaire, ici Roger Carouge. Oh, excusez-moi de vous déranger. Oui, il vient de m'appeler. Il a dit que c'était pour cette nuit. Oui, il a été très... Ah, très précis. J'aimerais bien vous croire. Oui, mon chien est dans le jardin et la porte est fermée à clé. Oh, oui, je suis quand même pas tranquille. Roger! Sultan! Qu'est-ce qu'il y a? Un instant, monsieur le commissaire, ne quittez pas. Eh bien quoi, Sultan? Il est mort. Il est mort? Allô, allô, monsieur le commissaire, notre chien est mort. Oui, oui, ma femme vient de me l'annoncer. Tiens, Annette, raconte à monsieur le commissaire. Allô? Oui, j'étais derrière la fenêtre du premier. J'ai vu Sultan sur la terrasse. Il a vomi plusieurs fois, il est tombé. Il s'est relevé, il a essayé de marcher jusqu'à la porte et puis il est tombé une nouvelle fois. Et il n'a plus bougé. Fermez. Monsieur le commissaire, on l'a empoisonné, ça crève les yeux. Oh, madame, non. Enfin quoi, la coïncidence vous paraît pas étrange? Mais on l'a empoisonné, je vous dis. Mais oui, on s'est d'abord débarrassé du chien, ensuite ce sera mon tour. Ah, ben, vous en avez de bonnes, vous. Non, monsieur le commissaire. Oh, cette fois, c'est sérieux, hein. Vous le voyez bien que c'est sérieux. Ah, ben, vous venez vous-même. Merci, monsieur le commissaire. Merci. Enfin, madame, dans la situation actuelle, comment M. Carouge a-t-il pu commettre une telle imprudence? Nous vous attendions. On a sonné, il est allé ouvrir comme ça, sans méfiance. Non, les choses ne se sont pas passées exactement comme ça. Nous étions au premier en train de surveiller le jardin à travers les persiennes. Il faisait nuit noire, on n'y voyait pas grand-chose. On a sonné, et mon mari a crié sans se montrer, « Qui est là ?» Et une voix a répondu, « Police !» Il a cru que c'était vous. Mais si ça avait été moi, je n'aurais pas été dans le jardin, mais sur le trottoir devant la grille. Et justement, on n'a pas imaginé une seconde que l'assassin aurait eu l'audace de s'annoncer au portail. Or, la voix provenait bien du portail. Mais l'idée d'une ruse ne nous est même pas venue à l'esprit. Oui, je comprends. En réalité, l'assassin était déjà dans le jardin. Mon mari a répondu, je descends. Il était soulagé, pressé de vous accueillir. Il a dévalé l'escalier devant moi. J'étais à peine à mi-étage lorsque les coups de feu ont éclaté. Trois, quatre, je ne sais plus. Trois, madame, trois. Les deux, ils sont du même calibre que la première fois. Quand je suis arrivée dans le vestibule, mon mari était encore debout, titubant. Il avait eu le temps de repousser la porte. Il a ouvert la bouche comme pour me dire quelque chose. Et puis, brusquement, il s'est écroulé. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait au juste. Je crois bien que j'ai hurlé. Je me suis précipitée sur le téléphone pour appeler police secours et... Voilà. C'est tout. Oui. Et M. Carouge n'avait toujours aucun soupçon? Il se perdait en conjectures. Mais il se plaisait à répéter en affaires, vos pires ennemis sont souvent ceux qu'on ignore. Enfin, les gens qui lui en voulaient au point de le tuer ne doivent pas se compter par dizaines. Vous avez bien abordé ce sujet ensemble. Oh, il m'en parlait jour et nuit. Il avait perdu le sommeil. Il tremblait au moindre craquement de meuble. Je finissais par me moquer de lui. Vous ne vouliez pas croire au danger? Oh, mais ces menaces téléphoniques qui s'éternisaient... Vous-même, monsieur le commissaire, vous n'y croyez pas. Si le chien n'était pas mort, vous ne seriez même pas dérangé. On lui a certainement jeté une boulette empoisonnée par-dessus la clôture. Enfin, l'autopsie révélera la nature du poison. Est-ce qu'on va aussi autopsier le corps de mon mari?
Oh, c'est une nécessité, madame. L'examen des balles confirmera sans doute qu'elles ont été tirées par la même arme que la première fois. Et après? Après? Après, l'enquête suivra son cours. C'est hélas tout ce que je suis en mesure de vous dire pour le moment. Tiens, assieds-toi, ma chérie. Attends, donne-moi ton manteau. Oh, je suis fourbue. Oui, tous ces inconnus au cimetière qui n'en finissaient pas avec leurs condoléances. Et maintenant, c'est terminé. À partir de maintenant, le passé n'existe plus pour toi. Oui, facile à dire. Je serai là pour te faire oublier. Est-ce que le commissaire était à l'enterrement? Oui, j'ai même causé avec lui. À quel titre? Il se renseignait. Ton mari n'a-t-il pas traité sa dernière affaire avec moi? Rassure-toi, tout a marché comme sur des roulettes. Le commissaire nage en plein océan. Moi, je ne l'ai plus revu. Et parce qu'il n'a rien à te dire, tiens. Il n'aura jamais rien à te dire. Parfois, j'ai peur. La nuit, surtout. Il me semble encore le voir avec son regard fixe. Tu as eu beaucoup de courage jusqu'à présent. Il n'y en a plus pour longtemps. Oh, mais si tu pouvais au moins être là, j'ai tellement besoin de toi. Il vaut mieux qu'on ignore encore nos relations. Le plus terrible, c'est de rester seule. Prends Patrick avec toi. Oh, j'en meurs d'envie, mais je n'ose pas. Je ne l'ai pas encore mis au courant. C'était son père. Un drôle de père, hein? Un homme qui se débarrasse de son fils en le mettant en pension dès l'âge de 6 ans ne mérite pas ce nom-là. Tu verras, ma chérie, nous le prendrons avec nous. Son vrai père, ce sera moi. Oh mon Dieu! Si c'est le commissaire qui te trouve là. Je lui ai dit que j'avais dîné plusieurs fois chez vous. Quoi de plus naturel que je t'ai reconduit? Oh, et si je n'ouvrais pas? Non, ma voiture est devant la porte. Et puis on nous a peut-être vu entrer. C'est alors qu'on trouverait bizarre. Va, ne t'inquiète pas. Va ouvrir, va. Monsieur? Bonjour, madame. Je désirerais avoir quelques minutes d'entretien avec vous, si vous le permettez. À quel sujet? Monsieur Carrouge était un de mes clients. Oui, je connais le malheur qui vous frappe. Et c'est à ce propos que... Si vous le permettez, je referme la porte. Est-ce que vous ne pourriez pas revenir un peu plus tard, monsieur? Permettez que je me présente. Antoine Chauffour, directeur de l'agence Détecta. Enquête, filature, surveillance en tout genre. Discrétion et célérité, telle est ma devise. Monsieur Carrouge m'avait fait l'honneur, trop tard hélas, et je n'ai pas eu le temps de débrouiller les chevaux. Mon mari s'était adressé à vous pour... Pour que je démasque celui qui le persécutait. Et oui, vous l'ignoriez, bien sûr. Que désirez-vous au juste? Mais vous servir, madame, si vous le permettez. Je n'ai nullement besoin de vos services. Oh, vous le croyez, vous vous trompez. Mais enfin, monsieur... Si, vous vous trompez. Un instant, monsieur. Excusez-moi d'intervenir, cher ami. Vous ne voyez pas que vous importunez, madame? Dans son propre intérêt, uniquement. Dans son intérêt, monsieur Talmont. Ah, je vois que vous me connaissez. N'êtes-vous pas, si j'ose m'exprimer ainsi, la dernière affaire de monsieur Carrouge? Vous êtes bien renseigné. N'est-ce pas mon métier? Monsieur Carrouge m'avait fait confiance. Et si vous le permettez... Non, de toute façon, madame Carrouge n'a pas l'intention de faire appel à vos services. N'est-ce pas, chère Annette? Oui, c'est exact. D'ailleurs, l'enquête est entre les mains de la police officielle. Oh, à ce propos, j'ai un cas de conscience. Vous savez ce que c'est, madame, qu'un cas de conscience? Oh, je vous en prie, je vous en prie, je suis très lasse. Je me demande si je dois tout raconter à la police. Tout ce que je sais. C'est-à-dire? Si madame Carrouge daignait m'accorder quelques minutes. Je reste avec vous. Je vais vous en prier. Merci. Entrez par là, monsieur. Eh bien, nous vous écoutons. Voilà. Monsieur Carrouge m'avait donc chargé de découvrir, disons, son persécuteur. Au début d'une enquête, on furette un peu partout. On s'intéresse aux proches, aux moins proches. Au fait. Mais à force de fureter, on tombe parfois sur certaines choses qu'on ne cherchait pas. Par exemple, sur vos relations très intimes avec vous, madame. Monsieur. J'ai noté sur cet agenda les dates, les heures et les lieux de vos trois derniers rendez-vous. Le dernier remonte à 4 jours avant le drame. Mais c'est faux! Laissez-moi faire, Annette. Si vous désirez contrôler, monsieur. Inutile. Pourquoi n'avez-vous rien dit à Carrouge? Monsieur Carrouge ne m'avait pas chargé d'enquêter sur l'adultère de sa femme. Je l'ai gardé en réserve. En réserve? Pourquoi? D'abord, si vous le permettez, une remarque liminaire.
Nous sommes tenus, nous autres détectives privés, nous sommes tenus au secret professionnel. Si, 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 comme les avocats, ou les médecins, ou les confesseurs. Nous sommes parfois des confesseurs. Ce que j'apprenais au service de M. Carrouge, je n'avais le droit de le révéler à personne d'autre qu'à lui, tant que j'étais à son service. M. Carrouge, hélas, est mort. Et si vous m'engagez, madame, le secret professionnel continuera de jouer. Et si je ne vous engage pas? Mon devoir sera alors de dévoiler votre liaison à la police. Et que voulez-vous que cela nous fasse? Étant donné les circonstances, cela pourrait créer à Madame Carrouge bien des tracas supplémentaires. Enfin, c'est du chantage. Des offres de service, ne pas confondre. Quel est votre tarif? Personnellement, si vous le permettez, j'opterai pour un forfait. Mais disons, 50 000 francs. Et en échange? Je me tais. 50 000 francs pour vous taire? Mais tout s'achète, madame. La discrétion aussi. 50 000 francs en espèces, naturellement. Monsieur Chauffour. Monsieur Talmont. Vous êtes une fripouille, une ignoble crapule, une ordure. Mais voilà ce que vous méritez. Tu l'as assommé. Un uppercut n'a jamais tué personne. Est-ce que tu n'as pas été un peu trop brutal? Peut-être aurait-il mieux valu composer. Subir le chantage, c'était reconnaître implicitement que nous avions quelque chose à nous reprocher dans la mort de ton mari. Ces types-là ne se contentent pas d'un seul versement. Ces exigences n'auraient fait que croître. Et nous aurions été à la merci d'un bavardage. Et si on ne plaît pas, il avertira la police. Ça n'est pas lui, mais nous qui avertirons la police. Et pas plus tard que tout de suite, avant qu'il se réveille. Nous déposerons même une plainte pour tentative de chantage. Et puis ça va résoudre un problème. Ah, lequel? Tu te plaignais d'être seul. Eh bien, à partir de maintenant, nous n'aurons plus à nous cacher. Asseyez-vous, monsieur Talmont. Asseyez-vous. Merci. Nous avons interrogé votre détective privé. Ce n'est pas mon détective. Ah, il nie le chantage comme un beau diable. Le contraire m'aurait étonné. Je ne vous cache pas qu'il sera difficile de le prouver. Il n'y a aucune preuve matérielle. Notre parole vaut bien la sienne. Enfin, de toute façon, la question n'est pas là. Pour nous, si. Ce serait trop facile. Je veux dire qu'il s'agit là d'un épisode secondaire dans l'enquête principale. Votre liaison date de... 8 mois. 8 mois. Le mari ignorait? Évidemment. Qui était au courant? Personne, à part ce Chauffour. Nous n'avions pas l'intention de le crier sur les toits, mais de là à payer cet aigre fin. Bien sûr, bien sûr. Maintenant qu'elle est libre, allez-vous épouser Madame Carrouge? Si vous estimez ma question indiscrète... Non, nullement. Nous nous marierons dès que les délais seront écoulés. Pourquoi n'a-t-elle pas quitté son mari, alors? Elle n'avait rien à lui reprocher légalement, et ils avaient un fils. Elle n'aurait jamais obtenu le divorce. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous vous trouvez? Avec Madame Carrouge, vous êtes les premiers bénéficiaires de la mort de Monsieur Carrouge. Non. Soyons sérieux, voyons. J'espère que vous n'allez pas nous accuser. Carrouge a été victime d'une vengeance, c'est l'évidence même. Ce tueur qu'il manque et qui revient à la charge, ses coups de téléphone, tout est dans le style. Carrouge en était lui-même persuadé. Oui. Et possédez-vous une arme? Entre nous, monsieur le commissaire, si j'étais le meurtrier, vous avouerais-je posséder l'arme du crime? Répondez toujours. J'ai un 22 long rifle avec lequel je vais de temps en temps m'entraîner au stand. Toujours entre nous, je suis un assez bon tireur. Croyez-moi, si c'était moi qui la première fois avait visé Carrouge, à moins de 3 mètres, je ne l'aurais pas raté. Confidence pour confidence, monsieur Talmont. Je ne crois pas à votre culpabilité. Seulement une enquête est une enquête. Je vous en prie, posez vos questions. Il y a une chose qui arrangerait bien tout, qui me soulagerait même pour vous dire la vérité. Si nous avions la chance que vous ayez un alibi... Pour le soir du crime? Oui. Oh, mais oui, bien sûr, vous avez raison, J'aurais dû y penser plus tôt. Ce soir-là, j'ai dîné chez le préfet. Le préfet? Le préfet, je m'en souviens très bien. J'avais à ma droite la générale Cervoni,
et à ma gauche, la préfète en personne. Il y avait également Maître Feltès et sa femme. Ensuite, trois ou quatre couples dont j'ai oublié les noms. Excusez-moi. Voulez-vous que je téléphone ? Non, 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 non. L'essentiel est que vous me l'affirmiez. Je tiens à ce que vous vérifiez. Je demanderai au préfet de vous donner un coup de fil. Je vous crois sur parole, Monsieur Talmont. Vous l'avez dit vous-même, une enquête est une enquête. Plus les choses seront nettes, mieux cela vaudra pour tout le monde. Voilà le programme. Dans trois semaines, c'est Noël, et tu files avec Patrick à Morzine. Le commissaire ne s'y opposera pas. Il ne manquerait plus que ça. Tu as bien le droit d'emmener ton fils en vacances de neige. Tu en as même le devoir. Quand tu reviendras, ton nouvel appartement sera prêt. Tu n'auras plus qu'à t'y installer avec Patrick. Je voudrais oublier, Marc, je voudrais oublier. Je ne peux pas. Le changement de décor te changera les idées. Ah non, rien n'empêchera chaque coup de sonnette de me faire sursauter. Même le téléphone me rend malade. J'ai peur d'entendre ou de voir surgir tout à coup le commissaire. Mais de son côté, je te le répète, et je te le répéterai encore, il n'y a rien à redouter. Depuis que le préfet lui a personnellement confirmé mon alibi, il est tout sucre et tout miel. Dis, hé, hey, oh, tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Le détective privé. Chauffou? Le sagot. Il a le cul lourd de... Attends, je vais le recevoir. Vous n'avez rien à faire ici, monsieur. Si vous le permettez, ce n'est pas mon avis. Videz immédiatement les lieux ou j'appelle la police. Gardez votre calme, monsieur Talmont, vous allez en avoir besoin. Ce qui signifie? Vous permettez que j'entre? Merci. Votre uppercute, monsieur Talmont, votre malencontreuse uppercute m'a interrompu. Mes hommages, madame. Monsieur. Je disais à monsieur Talmont que je n'avais pas terminé lorsqu'il a eu la fâcheuse idée de me mettre KO. Après ce qui s'était passé, j'aurais pu poursuivre mes révélations à la police. Eh bien, non, voyez-vous, je n'ai pas de rancune. Je les ai quand même réservées pour vous. Si vous le permettez. Quand vous aurez fini de tourner autour du pot. Bon, eh bien, je vais tout droit au but. Monsieur Carouge, donc, m'avait engagé pour que j'enquête sur son agresseur. On le sait. Vous savez aussi que chaque nuit, il craignait une nouvelle agression. C'est pourquoi, de temps en temps, entre 8h et minuit, je venais rôder dans le quartier, histoire de prendre le vent. J'étais là, la nuit du drame. La nuit où mon mari a été... assassiné, oui, oui. J'étais sur le trottoir d'en face. Le chien aboyait beaucoup. Et tout à coup, il n'a plus aboyé. Et sans doute, vous m'avez vu, moi, sauter la clôture. Non, non. Monsieur Talmont, je n'ai vu personne. Je suis même prêt à parier que vous possédez un alibi en bronze. Alors, un peu plus tard, j'étais près de la grille lorsque les coups de feu ont éclaté. Et je n'ai toujours vu personne. Si vous n'avez rien vu, je ne vois pas où vous voulez en venir. Précisément. J'aurais dû voir quelqu'un. Vous saisissez? Pas encore. L'assassin de M. Carouge n'est pas... Enfin, n'a pas pu venir de l'extérieur. M. Carouge a été tué à l'intérieur de cette ville-là. Et avec lui, à l'intérieur, il n'y avait que vous, madame. On a sonné. Mon mari est allé ouvrir. Non, si vous le permettez. Mon mari est allé ouvrir. Je vous dis qu'il est allé ouvrir. On a sonné. Puisqu'il n'y avait personne dans le jardin, expliquez-lui donc, M. Talmont. Et la première fois, il n'y avait peut-être personne non plus. La première fois, si, puisque M. Carouge l'a vu. Pas assez pour le reconnaître, je vous l'accorde, mais je suis prêt à tenir un second pari. C'est que vous n'avez pas d'alibi pour ce soir-là. Conclusion? Quand on sait ce que je sais, elle n'est pas difficile à formuler. C'est vous, M. Talmont, qui la première fois avez manqué exprès Carouge, afin de faire croire à un attentat venant de l'extérieur. Et c'est vous, madame, qui la deuxième fois avait tué votre mari après avoir empoisonné le chien. Non, non, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Calme-toi, calme-toi, je t'en prie. Quant à vous, et vous avez l'intention de raconter ces sornettes à la police? À vous de juger. Qui vous croira, mon pauvre ami? Vous n'avez pas de preuves. Je suis sûr que mon témoignage intéressera quand même la police. Vos assertions sont purement gratuites. Gratuites? C'est à vous. Je pourrais me mettre en colère. Oh, vous auriez tort. Je pourrais, mais vous le voyez, je garde mon sang-froid. Enfin, monsieur Chauffour, vous êtes un homme compréhensif.
Vous ne trouvez pas que Madame Carrouge est suffisamment affectée par le malheur qui la frappe? Sans la mêler encore. Bref, nous serions disposés à vous dédommager. N'est-ce pas, Annette? J'aimerais bien qu'on ne me parle plus de tout ça. Mais cela ne dépend que de vous, madame. Votre proposition de la dernière fois tient toujours? Oh, c'était avant l'Uppercute. La situation a évolué. L'enjeu est différent. Alors, jouons cartes sur table. Combien? 200 000. Je vous préviens tout de suite que je n'ai pas l'intention de marchander. Pour quand les voulez-vous? Pour demain matin. Dès que vous aurez l'argent, téléphonez-moi à Gambetta 70. Comment dites-vous? Gambetta 70. Oui, 70, comme la guerre. Avec Gambetta, c'est facile à retenir, n'est-ce pas? Marc! Marc, cet homme nous a menti depuis le début. Comment ça? Vous n'étiez pas devant la villa ce soir-là. Ben voyons. Ce soir-là, mon mari vous a téléphoné. Oui! Oui, à vous, à vous. J'étais dans la pièce voisine. Je n'ai pas prêté attention à la conversation, mais quand il s'est informé s'il était bien à Gambetta 70, cela m'a frappé. Je me suis fait la même réflexion que vous, facile à retenir. Vous ne pouviez pas être devant la villa parce que vous étiez chez vous. Et après, qu'est-ce que ça change? Vous reconnaissez que... Je reconnais que vous êtes tombé dans le panneau. Et que si vous avez cru à mon histoire, c'est qu'elle est vraie. Sinon, j'aurais eu droit à un autre percute. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Le commissaire est au courant. Quoi? Il sait que je suis ici. C'est lui qui m'a envoyé. Pour vous faire avouer, oui. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Je parie que c'est lui. Pierre Billard vous a présenté ce soir Partie remise, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec Jean-Claude Michel, Maria Tamar, Henri Labussière, Philippe Dumas et Robert Murzeau. Chef opérateur du son, Robert Altabert. Collaboration technique, Claude Salem. Bruitage, Claude Knopf. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.